Yep, tout le monde, c'est Seth, et comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ numéro 3. Vous allez me dire, enfin, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai prévu, cette vidéo. C'est vrai, il est vrai. Non, mais c'est vrai que, hein, en effet, je suis... C'est parti pour la FAQ 3. Yeah. 3, comme ça, 1, 3. Première question de The Stratophile. J'ai trop du mal avec ton truc, c'est un truc de malade. Première question de The Stratofly. Voilà, j'ai réussi, merci. Vu que je suis le premier commentaire, je pense avoir le droit d'être le premier à passer dans la FAQ prochaine. Salut. Voilà. Y a pas de quoi, t'inquiète. Voilà. C'est pas une vraie question, mais ça lui fait plaisir, donc moi aussi, si je vous fais plaisir. Hein, Alors, un mec s'appelle Niette et se balade dans la rue. Il croise un pote et lui fait « Hey, coucou Niette ». Ouais. Bon, en vrai, ça m'a fait rire. Hein. J'avoue que la première fois que je l'ai lu, je me suis pissé dessus. Avec ma coucougnette. Allez, aïe. Question de Mathis Bou. Qui élirais-tu comme jeu 2014? Alors, en jeu 2014, j'avoue que l'année, cette année n'était pas super, super bien. Ça n'a pas été mon année préférée, à vrai dire, au niveau des jeux vidéo. The Best of the World, c'est le remake de GTA V sur PlayStation 4. Voilà, c'est GTA V encore une fois. Ça craint que ce soit un remake, le meilleur jeu de 2014, mais pour moi, c'est GTA V. Voilà, merci à tous. Au revoir, salut. Une question de Dorian Bertani encore, franchement on va commencer à s'habituer mec, hein. On va devenir des potos, ça fait la troisième question en 3 FAQ. T'es trop connu. Est-ce que tu es dans un lycée? Alors oui, je suis dans un lycée. Quelle option? Pas d'option. Et quel bac? Bac à sable. Salut. Non, je suis en S, voilà. Donc pourquoi j'ai pas d'option? Parce que je suis en S. Pas pris d'option parce que je suis pas fou. Hein, il y a un moment, genre rien que le programme tout seul, j'y arrive pas. J'ai à peine 10 de moyenne. Donc, on va éviter de prendre des options. Une question de Celle-Lou. Où habites-tu? J'habite là. Voilà, c'est une maison, quoi. Avec, avec de la fausse herbe. Et un chien aussi. Un domino. Ouais, voilà. Voilà. Bon, hier, ça, c'est chez ma mère. Hein. J'habite en ce moment chez ma mère. Et une semaine sur deux chez mon père, donc chez mon père ça ressemble à ça. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt... la vue est belle en effet. Voilà. Question de Ifecta, quelle musique que tu écoutes ces derniers temps? Et ne dis pas un peu de tout comme 90% des gens. Donc j'écoute un peu de tout, un peu de tout quoi. Non, en vérité j'aime bien l'électro house, franchement c'est vraiment le style de musique que je surkiffe, et la house aussi, donc je vous laisse aller écouter par vous-même. Par vos propres oreilles. Question de Monsieur Uno 39, c'est quoi ta boisson que tu préfères? En vérité, vraiment, c'est le Monaco, j'adore ça. C'est juste génial. Devant le soleil et tout, devant la plage, comme ça, avec le Monaco, tranquille. Je suis pas du tout de Marseille. Je suis plutôt de Lyon. Question de 71. Alors si je m'abuse, 71, ça fait 71. Putain, je suis bon. Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? Ça va faire un an le 1er mai, donc dans 5 jours à peu près, parce que je me rappelle plus combien il y a de jours dans avril. Janvier, février, mars, avril. Donc c'est un creux, ça veut dire qu'il y a 30 jours. Qui n'a jamais fait ça en vrai? Tout le monde fait ça. Tout le monde utilise ses doigts pour compter les jours dans les mois, c'est comme ça. Donc c'est dans 5 jours. Alors ça c'est la question qui revient assez souvent, donc encore une question de 71. Le prix de tout ton matos cumulé? Ça va faire mal au cul, on est sur du 4 575 €. Voilà. Avec la caméra avec laquelle je filme actuellement. Hein, parce qu'elle coûte quand même 1 000 €. Alors j'avoue que ça fait beaucoup, mais il y a quand même pas mal de Noël et d'anniversaires accumulés. Toutes les payes que j'ai eues avec les. Quand j'ai travaillé l'été en fait. Que dans les 4 575 €, il n'y a aucun jeu compris. Parce que si on compte les jeux, déjà rien que ceux qu'il y a là, ça fait déjà plus mal au cul. Hein. Et si on compte tous les jeux que j'ai achetés dans ma vie, alors là, terminé. Je pense que je peux acheter une maison avec. Facilement avec des jeux, hein, avec des trucs CD comme ça, tu vois. C'est bon, c'est comme ça. Donc voilà, vous avez enfin votre réponse sur combien coûte tout mon matos. Donc ne soyez pas jaloux de moi, je suis pas un fils de riche, loin de là, parce que sinon j'aurais déjà un iPhone 6 et j'aurais pas ce téléphone de merde actuellement cassé en tournant la vidéo FAQ. Voilà, ah, il est complètement naze. Comment c'est arrivé? Tout bêtement. En tournant cette FAQ actuellement, c'était il y a quelques heures, peut-être deux. Voilà, je suis très content. Attention, voici la reconstitution de l'accident. Âme sensible, s'abstenir.
Voilà, merci à tous. Au revoir, salut. Une question de Docteur Démoniaque. Quelle est ta couleur favorite? Ma couleur favorite, c'est le bleu. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Ça a toujours été le bleu. J'ai toujours du bleu sur moi. Et tu es plutôt lait entier ou lait écrémé? Alors à vrai dire, je suis partagé à ce niveau-là. Je préférais le lait demi-écrémé. Voilà. Ça, il n'est pas entier ni écrémé, il est demi. Tu vois, il est... motte-motte. Une question de Julie75B600. On dirait une référence d'aspirateur ou je sais pas trop quoi, c'est spécial. Raconte ton premier râteau. Non, moi je suis tellement beau, j'ai jamais pris de râteau et tout. Tu peux pas tester. Et enfin pour terminer, j'ai une question qu'on me pose assez très très souvent même. C'est où est-ce que j'ai acheté mon bureau? Eh ben je l'ai pas acheté, voilà. Merci, salut. Non, on va dire, c'est mon grand-père qui me l'a fait sur mesure. C'est moi qui lui ai demandé... de m'en faire un parce qu'il est super fort dans tout ce qui est menuiserie, tout ça, faire des cuisines. C'est un bonhomme. Il m'a acheté un truc suédois totalement nul. Du coup, bah, il m'en a fait un. Un bureau assez profond pour que je puisse mettre mes écrans et tout, avec un espèce d'angle qui fasse plutôt stylé. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ 3, les collègues. Donc on va se lécher là-dessus et puis moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps que vous l'attendiez. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Évidemment, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Ça me fait vachement plaisir que vous êtes presque 3000. 3000, ça fait 1, 3... 1000, plein de zéros et tout. Ouh, merci, 3000 c'est beaucoup, c'est génial. Donc on va danser la samba pour fêter ça. Allez, moi je vous dis à tous, moi je vous dis salut à tous, à la prochaine, prenez soin de vous et bah, tout le monde vous aime, salut.